Je vous salue au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs, partout dans le monde entier où vous nous suivez. Nous sommes encore dans la joie d'être à notre rendez-vous de tous les dimanches, vous apporter la bonne parole de Dieu, la meilleure parole, alors que celle-ci est devenue trop rare dans le monde entier. La pure parole de Dieu, elle est devenue difficile. Parce que si vous dites que la parole de Dieu, elle est partout, alors vous allez à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit très clairement qu'il viendra un temps où la parole de Dieu sera rare. Et dans Amos, il dit que de belles jeunes filles et des jeunes hommes courront d'une mer à l'autre, cherchant les paroles de l'Éternel. Mais la Bible précise qu'ils ne la trouveront pas. Et nous sommes aujourd'hui pendant ces temps-là. Mais nous, nous croyons, nous avons l'assurance que nous vous apportons la pure parole de Dieu. Ce n'est pas une prétention, mais nous sommes sûrs de ce que nous avons. Parce que nous sommes l'Église qui avait reçu ce message à Kinshasa en 1974. Et beaucoup d'églises peuvent se réclamer cette date-là, cette même date-là. Mais pourquoi nous disons que nous sommes la même église? Parce que nous sommes restés dans la même prédication, la même parole, la même doctrine. C'est là même le sujet, notre sujet d'aujourd'hui. C'est là notre sujet. Donc, revenir aux anciens sentiers. Ou encore, en d'autres termes, combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Voilà notre sujet d'aujourd'hui. Combattre pour la foi apostolique, cette foi-là pour laquelle les apôtres sont morts, cette foi-là que le Seigneur avait promis, je vous enverrai Élie les prophètes. Qu'est-ce qu'il viendra faire? C'est remettre ou ramener l'Église, les enfants de Dieu à la foi de leur Père, selon Malachie 4. Je crois que nous allons en parler, nous allons entrer en détail de cela pendant notre prédication. Que le Seigneur vous bénisse très richement et nous sommes dans la joie pour ces moments merveilleux. Nous allons donc lire notre écriture du jour, ou quelques écritures du jour que nous allons exploiter aujourd'hui. Nous allons prendre les livres de Jérémie au chapitre 18. Jérémie au chapitre 18 à partir du verset 15. Jérémie 18 au verset 15. La même chose est dit également dans Jérémie chapitre 6. Quoique nous pouvons prendre les deux écritures phares, comme il parle de la même chose, revenir aux anciens sentiers, et que Dieu vraiment nous aide à ce que le peuple de Dieu en soit édifié. Jérémie chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez. Quels sont les anciens sentiers? Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Voilà ce qu'on nous dit. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas, malheureusement pour eux. Que cela ne soit pas ainsi pour moi et vous, mon frère, ma sœur. Et dans Jérémie 18, verset 15, aussi, on parle de la même manière. Verset 15, j'ai lu. Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Voilà, mon peuple m'a quitté. Il a abandonné les anciens sentiers et il commence à
Que Dieu vraiment nous aide à ce que nous puissions saisir l'opportunité de cette prédication qui est très importante. Et c'est important pour tout le monde, beaucoup plus les gens qui disent avoir reçu le message du temps de la fin. Voilà. En tout cas, je m'adresse beaucoup plus à vous. Nous allons voir dans la Bible que ces peuples sur lesquels Dieu était en train de parler, ce peuple ici, c'était le peuple de Dieu. Ce peuple avait reçu le message de Dieu. Ce peuple avait reçu Moïse, les prophètes de Dieu. Ce peuple a reçu beaucoup de prophètes au cours de son parcours. Mais Dieu ici se plaint que ce peuple a abandonné les anciens sentiers. C'est-à-dire, quand on parle de sentier, c'est quoi? Une voie, un sentier, c'est un chemin. Mais c'est quoi sur le plan spirituel? Aujourd'hui, parce que nous devons faire ce parallélisme, autrefois, on pouvait parler d'un chemin. Parce que dans Ésaïe, chapitre 35, il parle de chemin, sur ce chemin. Mais dans notre temps, on appelle ça chantier. Quelle différence y a-t-il entre une route et un chemin, et un sentier? Une route, c'est une grande route. Un sentier, ce sont des petits chemins qu'on trouve généralement dans les villages, que les villageois empruntent pour aller au champ. Généralement, dans ces sentiers-là, on ne peut pas marcher deux à trois personnes parallèlement. Souvent, on marche à la queue leu-leu sur ces sentiers-là. Ça veut dire que ce sont de petits chemins. Sur le plan spirituel, ça veut dire que c'est une voie qui n'est pas donnée à plusieurs personnes. C'est comme ça que je vous disais que nous sommes déjà au temps d'Amos où le Seigneur dit qu'il y aura une famine, qu'il y aura des belles jeunes filles qui vont chercher la parole, la bonne parole. Combien aujourd'hui sont en train de se dire qu'ils ont le message du temps de la fin? Et même quand vous allez dans les réseaux sociaux partout, vous trouverez que les gens qui ont des brochures, qui croient au message que le Seigneur nous a envoyé par le prophète Bana, tous, on se sent comme si nous sommes les mêmes. Et ceux qui croient, qui ont la sainte doctrine, et ceux qui croient à la révélation de cet tonnerre, et ceux qui croient au retour de Jésus, Jésus est déjà venu, et ceux qui croient, Bana, mon Dieu, les gens sont confondus dans ce qu'on appelle le message du temps de la fin. Et pourtant, c'est une grave tromperie. Une très grande tromperie, je dis bien, je pèse mes mots. Nous allons prendre quelques écritures parce que nous avions lu l'Ancien Testament, mais nous allons aussi lire le Nouveau Testament. Et là, nous allons voir toutes ces choses. Parce que même dans le Nouveau Testament, Jean parle presque de la même manière. 1 Jean au chapitre 2, verset 24. Écoutez ça, 1 Jean chapitre 2, le verset 24. Nous allons également lire que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Ce que vous avez entendu dès le commencement. Et si vous allez plus loin, parce que j'ai dit notre sujet, c'est revenir aux anciens sentiers. C'est-à-dire qu'il y a eu des anciens sentiers et il y a des nouveaux sentiers. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, sur le plan biblique, ça veut dire quoi? Il y a eu une doctrine antérieure, biblique. La doctrine dont la Bible parle, les enseignements des apôtres et des prophètes. Ça existait. Mais aujourd'hui, plus qu'on avance, les gens vont de plus en plus dans d'autres choses que cette doctrine-là. Voilà pourquoi Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, s'est posé une grande question. Écoutez la question de notre Seigneur. Voilà pourquoi c'est très important. Donc, si vous me suivez de quelque part, en tout cas, je vous demande à ce que vous soyez très, très, très attentifs à cette prédication. Peut-être que ça peut vous aider. Combien de gens aujourd'hui ont reçu le message du temps de la fin déjà dans les fausses doctrines? Vous étiez dans les dénominations, dans les églises dénominationnelles, vous étiez païens. Aujourd'hui, vous recevez le message du temps de la fin. Vous êtes dans quelle doctrine? Quel est le message que vous croyez? Parce qu'au temps de la fin dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, écoutez ce que le Seigneur Jésus dit, nous dit à nous tous.
8. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Écoutez maintenant la question. Donc, verset 8b. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà la question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais qu'est-ce que cette foi? Qu'est-ce que la foi? Parce que quand nous disons seulement que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, nous devons définir la foi c'est quoi? Quelle foi? Il parle de quelle foi? Il parle de la foi biblique. Il parle de la doctrine biblique. Cette foi-là, il y a Jude également qui a parlé de ça. Jude même nous en conseille. Écoutez les conseils de Dieu par Jude. Jude au chapitre 1, verset 3. Suivons cela. Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter. Pourquoi? Quelle exhortation? À combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ça, c'est très important. Pas deux fois, pas trois fois. C'est-à-dire, le salut que Dieu nous a envoyé une fois pour toutes. C'est-à-dire dans toutes les générations, le salut ou la foi, elle est unique. Elle a été envoyée au sein une fois pour toutes. Nous devons garder cette foi jusqu'au bout. La même foi, pas une autre. C'est comme ça que Jésus demande, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, quand? C'est à la fin. À l'enlèvement. Quand tu viendras pour enlever son épouse, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? En d'autres termes, est-ce qu'il va trouver la doctrine qu'il avait laissée aux apôtres sur la terre? Voilà. Parce que les mêmes prophéties de Jésus, quand il viendra donc au temps de la fin, Paul également prophétise. Toujours dans le même sens. Écoutez la prophétie de Paul. Tous les apôtres ont parlé de ça. Paul il dit dans 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Tu veux cela. Verset 10. Bon, à partir du verset 1, mais prenons 2 pour gagner le temps. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Réprends, censure, exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Verset 3, écoutez. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine. Avez-vous compris cette fois-là? C'est la saine doctrine. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais qu'est-ce qu'ils feront alors? Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, des bonnes choses, les choses qui ne les frappent pas, les choses qui ne condamnent pas les péchés. Ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils eux-mêmes se donneront une foule de docteurs. Selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste. Ces temps-là est là où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Allez parler de la sainte doctrine chez les uns et les autres, même qui disent qu'ils ont débauché, qui disent qu'ils ont reçu le message de Frère Branham, le message de Dieu par Frère Branham. Parce que c'est ça la vraie définition. Attends de la fin, c'est le message de Dieu. Branham n'a pas de message. Paul n'avait pas de message. Moïse n'avait pas de message. Moïse avait le message de Dieu pour le peuple d'Israël. Paul avait le message de Dieu pour le peuple de Dieu. Branham est venu avec le message de Dieu pour l'église du temps de la fin. Et quelle est la définition de ce message-là? C'est ça la base même de notre prédication. Branham n'est pas venu apporter autre chose. Toutes les prédications des frères Branham, il n'avait que la Bible. Toutes
je dis bien, toutes les prédications de Frère Branham, quand tu le prêchais, entre ses mains, il n'avait que la Bible. Pas un autre livre. Il n'a prêché que la Bible du début jusqu'à la fin de son ministère. Toutes les brochures que vous voyez, tous les titres des brochures, ce sont des prédications. Toutes ces brochures ont aussi, ce sont des prédications enregistrées. Enregistrées, j'ai dit bien. Et ça était imprimé en forme de brochure. C'était des prédications. Mais quel est le manuel que Frère Branham avait entre ses mains quand il prêchait? C'était seulement la Bible. Un seul livre, c'est la Bible. Et Frère Branham disait toujours que l'absolu de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est la Bible. Nous n'avons pas autre chose que la Bible. Voilà pourquoi le but même pour lequel Frère Branham élit les prophètes éveillés, c'est de ramener le peuple de Dieu qui était perverti dans notre doctrine à la Bible. Lisez l'écriture qui régit le ministère de Malachie 4. Malachie 4, la Bible dit clairement, Malachie 4, c'est Élie le prophète. Je vous enverrai Élie le prophète. Qu'est-ce qu'il fera? Quel est le travail d'Élie le prophète? Malachie chapitre 4, il ramènera. Il ramènera la foi des enfants à la foi de leur père. Malachie chapitre 4. Voilà, versets 5 à 6, pour gagner le temps. Malachie 4, 5 à 6. Alors, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, le jour de l'Éternel, grand et redoutable, c'est ce jour de la destruction de la terre. Avant que ce jour n'arrive, je vous enverrai Élie, le prophète. Verset 6, qu'est-ce qu'il fera? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. C'est le travail que Jean-Baptiste a fait. Quand vous lisez dans Luc, je crois chapitre 1, c'est ça le travail que Jean-Baptiste, un ange est venu prédire la naissance de Jean-Baptiste auprès de son père. Et on lui a dit qu'il va venir avec l'esprit d'Élie, il va ramener le cœur des pères à leurs enfants. Ça, c'est la portion que Jean-Baptiste a fait. Mais la deuxième partie de ce verset, c'est ce que Jean-Baptiste n'a pas fait. Écoutez. Et il ramènera le cœur des enfants à leur père. Tous ceux-là qui connaissent le message habitant dans le feu doivent bien connaître ce jour. Ramener le cœur. Le cœur, c'est la foi. La foi des enfants aux pères apostoliques. En d'autres termes, ramener la foi des enfants de Dieu du temps de la fin à la doctrine des apôtres, c'est-à-dire à la foi dont Jude a parlé, la foi que Paul a parlé. Quand Jude dit restez et combattez pour cette foi qui a été transmise une fois pour toutes, ça dit que quand Branham vient avec l'esprit d'Élie, c'était juste combattre toutes les antivalères contre la Bible. Toutes les fausses doctrines à notre terre. Combattre tout ce qui était contraire à la Bible. Vous l'avez vu, comment il a été combattu par toutes les dénominations, toutes les églises. C'est parce que tout ce que lui prêchait, c'était la Bible. Et la Bible, c'est la doctrine des apôtres et des prophètes. C'est ça la base de la doctrine biblique. Selon Éphésiens. Parce que tout est scripturel. Éphésiens chapitre 2, verset 19. C'est ça la doctrine de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez, écoutez, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Est-ce que vous suivez ça? Ça, c'est la doctrine de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin qu'on lise le message du temps de la fin sur quoi, par définition? Le message du temps de la fin, c'est le retour à la foi apostolique. C'est le retour à la Bible. C'est le retour à la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et Paul va plus loin, il dit ceci. Écoutez, Galates, ce sont des
Galates chapitre 1, versets 7 à 8. Écoutez, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Aujourd'hui, les problèmes sont plus qu'au temps de Paul. Ce n'est pas qu'il y ait un autre message. Aujourd'hui, si nous pouvons parler dans les langues d'aujourd'hui, nous pourrons dire ceci. Non qu'il y ait un autre message du temps de la fin, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, en d'autres termes, pour toute l'église de Jésus-Christ, depuis le temps des apôtres jusqu'à l'enlèvement, si même un ange du ciel vient nous enseigner le contraire de ce que les apôtres nous ont enseigné, il est maudit. Il est, s'il vous plaît, maudit. Et c'est comme ça que le même Paul a beaucoup martelé sur ça. Il va plus loin, Paul. Avec, dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 2. Écoutez ça bien. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Écoutez, par lequel vous êtes sauvés, il y a une condition. Si vous le retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé, donc vous, cet évangile vous sauvera. Cet évangile vous amènera à Christ à une seule condition. Si vous le gardez dans le même terme, s'il vous plaît. Ici, on parle des termes. Les mêmes termes. Donc, dès que vous déplacez même un seul terme, c'est fini. Et quelle est la conséquence? Paul parle de la conséquence. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Et par lesquels vous êtes sauvés? Si vous les gardez dans le même, si vous le retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé, autrement, donc si vous faites le contraire, si vous ne le retenez pas dans le même terme, vous auriez cru en vain, s'il vous plaît. Vous aurez cru en vain. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient en vain? Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a le pasteur qui prêche en vain? Est-ce que vous comprenez qu'il y a plein d'églises, des églises de 10 000 personnes, de 20 000 personnes en vain? Est-ce que vous comprenez ça? Paul, un grand serviteur de Dieu, moi je ne peux même pas m'approcher un seul pas. Je ne peux pas, un grand homme de Dieu, messager de l'âge, contre Branham, messager de l'âge contre Branham. Écoutez ce qu'il dit. Galates chapitre 2, verset 1. 14 ans après avoir prêché l'évangile partout dans le monde entier, il dit 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que je montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Et je l'exposais en particulier à ceux qui sont le plus considérés. Pourquoi j'ai fait ça? Paul explique pourquoi il a fait ça. Pourquoi Paul, qui est allé prêcher dans le monde entier, il a fondé des églises locales. Il a fait de grandes choses. Mais 14 ans plus tard, Paul dit, j'ai monté à Jérusalem. Pourquoi? Paul explique-le pourquoi. Hein? La dernière partie dit, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Donc Paul se disait que si ma doctrine n'est pas conforme aux apôtres qui sont avec le Seigneur Jésus, ma course est vaine. Tout le travail de la prédication est vain. Tout ce que je fais comme travail dans le Seigneur, c'est vain. Vous voyez? Donc, il y a une grande importance sur la véritable doctrine biblique, la doctrine que les apôtres et les prophètes ont prêchée. Notre doctrine doit être conforme à cette doctrine-là. Vous voyez? Il continue. Afin de ne pas courir en vain. Parce que c'est une course. Même ce que moi je fais ici, c'est une course. Je suis le Seigneur, je marche avec le Seigneur, je prêche la parole. C'est une course. Si j'arrive à la fin de mes jours que le Seigneur veut me rappeler à la maison, je vais aussi moi dire comme Paul, j'ai fini ma course. Mais comment tu vas finir ta course, mon frère prédicateur?
toi alors, veille sur la parole de Dieu. Frère Branham a dit une bonne chose quelque part, où il a dit, les enfants de Dieu veillent, si c'est qu'on leur prêche conforme à la parole de Dieu. Et rappelez-vous dans la Bible, il y a Paul, Paul, un grand messager de l'âge, messager du premier âge de l'église de Fès. Mais il dit aux Béréens, et quand Paul prêchait, il rentrait à la maison vérifier dans les Écritures si ce que Paul prêchait était vrai. Et Paul dit qu'ils avaient de bonnes intentions. Ils avaient des sentiments nobles. Mais qu'en est-il de moi et toi, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, le message est venu, oui. C'est quoi le message? Le retour à la Bible. Qui a apporté le message? William Manuel Branham. Il nous a ramené à la Bible. Doctrine des apôtres et des prophètes conformément à Éphésiens 2, verset 19 à 20. Conformément à Apocalypse, chapitre 12, verset 1 à 2. Là aussi, on parle d'une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. On a passé le temps pour lire tout ça. Mais lorsque Frère Branham explique cette femme, il dit la femme dans la Bible, c'est l'Église. Là, c'est les enseignements des apôtres, les enseignements des 12 apôtres. La lune sous ses pieds, ça veut dire quoi? La lune, c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'Ancien Testament. Et quand on parle de l'Ancien Testament, ce sont les prophètes. Ce sont les prophètes qui ont parlé dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi Éphésiens 2, 19 à 20 parle de la doctrine des apôtres et des prophètes. Le prophète de l'Ancien Testament et 12 couronnes qui étaient sur la tête, au-dessus de la tête de cette femme, ce sont les 12, les enseignements des 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand vous, après que vous ayez reçu le message que Dieu vous envoyait par Frère Branham, qu'est-ce que vous avez fait de ce message? Frère Branham est à mort, même déjà de son vivant. Les gens voulaient déjà commencer à prêcher que Branham était Dieu. Ça, c'est le message. Vous allez utiliser quelle écriture? Parce que nous disons bien, le message que Frère Branham a prêché, a apporté, c'est la Bible. Je vais vous lire mes déclarations lui-même. Je vais vous lire quelques déclarations de Frère Branham lui-même. Et il va, pourquoi nous condamnons les dénominations? Pourquoi nous avons condamné la dénomination? Pourquoi? Hein? D'où est-ce que les dénominations sont tombées? Frère Branham explique ça ici. Quatrième saut. Lisons quatrième saut. Et c'est le livre de la révélation des sept sceaux. Nous sommes au quatrième saut, paragraphe 263. Écoutez la question de Frère Branham. Et d'où est-elle tombée? D'où est-elle tombée? Qui? Il parlait des pentecôtistes. Si vous lisez précédemment, dans 246, là il dit, c'est la dernière plaie qui s'est abattue sur l'église pentecôtiste. La mort spirituelle, elle est morte, je l'ai dit au nom du Seigneur, elle est morte spirituellement, il lui a été donné, il lui a donné le temps pour qu'elle se repente et elle a rejeté cela. Maintenant, elle est morte, elle ne se relèvera jamais. Il parlait de l'église pentecôtiste. Maintenant, excusez-moi. Paragraphe 266, c'est là qu'il dit, le frère Branham pose la question. Et d'où est-elle tombée? L'église pentecôtiste, où est-ce qu'elle était tombée? Parce que quand on dit qu'elle était tombée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette église était debout. Ça veut dire que c'était vraiment l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire ça vers le bas. Le frère Branham le dit aussi. Mais au paragraphe 265, il dit, maintenant, souvenez-vous, elle était l'église pentecôtiste originale sur laquelle le Saint-Esprit avait été répandu le jour de Pentecôte. Combien le savent ici, parmi ceux qui étudient la Bible? C'est sûr, elle l'était. Voyez-vous d'où elle est partie?
Apocalypse 18, la Bible le dit, même la Bible répète ça, c'est pas Branham qui le dit. Toutes les églises dénominationnelles sont tombées, c'est-à-dire elles ont fait un naufrage par rapport à la foi. C'est Apocalypse 18 qui le dit. Apocalypse 18, verset 4. Lisons cela. Verset 2 déjà, commençons. Verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est mort, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé le verbe tomber? Pourquoi Dieu a-t-il utilisé le verbe tomber? Rappelez-vous, on ne peut utiliser le verbe tomber que pour quelqu'un qui était debout. Si vous êtes debout, vous êtes en ordre avec Dieu, vous êtes une vraie église de Dieu, vous faites votre parcours normal, en avançant, lorsque vous abandonnez la parole de Dieu, lorsque vous prenez des doctrines ou des choses qui sont contraires à la Bible, vous êtes devant Dieu tombé. C'est ce que Frère Branham a dit. Il demande la question, d'où est-ce que les dénominationnels sont tombés? Au paragraphe 263, le Frère Branham répond lui-même. Exact. D'où Ève est-elle tombée? Il reprend la question maintenant avec Ève. L'Assemblée dit, de la parole. Voilà, il dit oui, de la parole. D'où les dénominations sont-elles tombées? De la parole. Elles sont tombées de la parole. Voilà, voyez, il n'y a pas d'autre moyen. Absolument. Chaque fois que ça revient, tout droit à la parole, tout droit à la parole. Voyez, ils entendent, ils rentrent dans un système qui les éloigne, à nouveau de la parole. Donc, aujourd'hui encore, mon frère, ma soeur, si vous abandonnez le message, vrai message du temps de la fin, que Frère Branham a apporté, vous tombez. Prenons encore un autre exemple biblique. Dans la Bible, Paul a parlé le même langage là de tomber. Prenons 1 Timothée, le livre d'1 Timothée, au chapitre 1, verset 19. 1 Timothée, chapitre 1, verset 19. En gardant la foi, c'est-à-dire la doctrine biblique, la sainte doctrine, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils l'ont perdue. Écoutez. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont Huménée et Alexandre, que je livrerai à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Mais qu'est-ce que Huménée et Philète et Alexandre avaient fait? 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, verset 16. Écoutez ça, ou même 18. Voilà. Verset 16. Évite les discussions vaines et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Écoutez. Et leur parole rongera comme la gangrène. Verset 17. De ces nombres sont Huménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Mais dis donc, mon frère, ils disent que la résurrection est déjà arrivée. N'est-ce pas le même, c'est le même esprit jusqu'aujourd'hui? Il y en a aujourd'hui qui disent que Jésus est déjà venu. Oh, vous ne pouvez pas dire que Jésus est déjà venu sans confirmer que la résurrection a déjà eu lieu. Parce que la Bible dit, si vous lisez Thessaloniciens chapitre 4, la Bible dit que nous les vivants, nous n'avons pas précédé les morts en Christ. Mais d'abord, les morts en Christ se ressusciteront. Ensuite, nous les vivants, nous allons changer et nous serons enlevés ensemble. Oh, ceux qui disent que Jésus est déjà venu, ça veut dire qu'ils confirment que la résurrection a déjà eu lieu.
C'est la révélation de cette tonnerre. C'est parce qu'ils ont eu la fausse doctrine de la révélation de cette tonnerre. Donc, par rapport à ma prédication, je vais vous faire comprendre que, en réalité, tous ceux-là qui croient que les tonnerres sont déjà révélés sont dans la fausse doctrine. Ils sont dans la fausse doctrine. Pourquoi? Parce que, clairement, au paragraphe 12, Marc de la Bête, Frère Branham dit ceci. Et ici, nous n'avons aucun autre credo, sinon Christ. Voilà les credos de l'Église de Dieu. Et aucune autre loi, sinon l'amour. Aucun autre livre, sinon la Bible. Ça, c'est Frère Branham qui parle. Je suis en train de lire. Aucun autre livre sinon la Bible. Et Christ est le chef. Et la Bible est notre manuel. Ce n'est pas la brochure. La brochure, ce sont des prédications de la Bible. Nous ne pouvons pas comparer ça à la Bible. Frère Branham dit, nous avons seul manuel. On n'en a pas deux. Nous n'avons pas la Bible et la brochure. Non, la Bible. Ça dit, quand je lis ma brochure, je la ramène dans la Bible. Toute prédication, même de mon pasteur, quand je l'écoute, je la ramène dans la Bible. Nous avons un seul manuel, un seul livre, un seul absolu, c'est la Bible. Maintenant, les sept tonnerres n'étaient pas écrits dans la Bible. Voilà pourquoi je vous dis que tous ceux-là qui croient à la révélation des sept tonnerres, je peux dire comme Jean, comme Paul, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ne sont plus dans la foi apostolique. Parce que Frère Branham me dit que Jean est mort. Il est mort connaissant ce que le tonnerre avait dit. Jean, il est mort avec ça. Il connaissait ce que le tonnerre avait dit. Jean. Est-ce que vous suivez ça? Jean, il le savait. Je peux vous lire quelque chose de ce genre-là. Peut-être que ça peut aussi vous aider, ça peut vous fortifier. Quatrième saut toujours, là où nous étions, paragraphe 47. Écoutez, c'est là que les sept tonnerres ont fait entendre leur voix étrange et que Jean allait écrire. Mais Jean savait ce que c'était. Jean connaissait ce qu'avait dit le premier tonnerre, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième tonnerre. Frère Branham dit, Jean savait ce que c'était, mais il ne l'a pas écrit. Pourquoi? Parce qu'il lui a été défendu de l'écrire. C'est absolument et complètement un mystère. Ce n'est même pas un symbole. Est-ce que vous suivez? Ni rien. Tout ce qu'on sait qu'il a donné, c'est tout. Quand Frère Branham dit que ce n'est même pas un symbole, ça veut dire quoi? Ce n'est même pas un symbole, ça veut dire les sceaux sont écrits dans la Bible, mais ils sont en symbole. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans un langage clair. Ils sont en symbole. Et le travail du prophète, Frère Branham, quand tu es venu, il devait nous interpréter les symboles de sceaux. Mais les sept tonnerres, ce n'est même pas un symbole. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre. Ce n'est même pas un symbole. Et dans la brèche, paragraphe 35, la brèche entre les sept âges de l'Église et les sept sceaux. Paragraphe 35. Écoutez. Bon, voilà ce que nous ne connaissons pas. Cela doit encore être révélé. Mais Frère Branham croyait que le sept tonnerres, un jour ça sera révélé. Oui, il le croyait. Cela ne se trouve pas dans les saintes écritures. Cela ne se trouve pas dans les saintes écritures. Oh, Frère Branham est venu nous ramener dans les saintes écritures. Maintenant, le Frère Branham dit que le sept tonnerres, ça ne se trouve même pas dans les saintes écritures. Vous allez révéler les tonnerres comment? Ce n'est même pas écrit dans les saintes écritures. Frère Branham me dit, ce n'est même pas un symbole. Il va révéler quoi? On ne révèle qu'un mystère écrit qui est un symbole. Ce n'est même pas dans la Bible. C'est comme ça que Frère Branham a continué à promettre que nous parlerons des saintes écritures. Frère Branham a continué à dire, je prêcherai sur les sept tonnerres, je prêcherai sur les sept trompettes, je prêcherai sur les sept coupes.
Ce sont les trois prédications qu'il n'a pas prêchées, mais qu'il promettait jusqu'à sa mort. On en parlera en détail parce que nous entrerons en détail. Aujourd'hui, c'est une introduction où je voulais seulement faire comprendre à tout le monde la révélation de cet honneur. Tous ceux qui sont là dedans ont fait naufrage par rapport à la foi, sont perdus dans la voie de la perdition. Tous ceux qui croient à la grâce infinie sont au fait naufrage par rapport à la foi. Ils se sont détournés de la voie de Dieu. Ceux qui disent que si vous sentez le péché, faites-le, ne forcez pas. C'est la Paul dit, démêlions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Ça, c'est la disgrâce. Ils ont fait naufrage, vous avez fait naufrage par rapport à la foi. Tous ceux qui prêchent la polygamie ont fait naufrage par rapport à la foi. Dans la Bible, il n'y a aucun enseignement qui encourage les gens à prendre plusieurs femmes. Il n'y en a pas. Au contraire, Paul dit, il dit que chaque frère ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pourquoi? Juste pour éviter les péchés. Maintenant, vous allez multiplier les femmes. Pourquoi? Dites-moi. Le mariage que nous avons aujourd'hui, ce n'est même pas le mariage que Dieu avait donné Ève à Adam. Pas du tout. Le mariage d'aujourd'hui, Paul dit clairement, il est bon pour l'homme de ne pas toucher les femmes, mais pour éviter la publicité, que chaque homme ait sa femme. Sa femme, juste un point de vue. Mais lorsque vous avez déjà cette femme, ça vous suffit. Vous allez multiplier des femmes, c'est quelle écriture vous allez lire. Nous entrerons en détail de toutes ces choses dans les prochaines prédications. Mais sachez que toutes ces personnes, ils ont des brochures. Ils ont des brochures, oui, merci, je n'en dis qu'on vient pas. Mais ils sont tombés parce que toutes leurs doctrines, ils ne peuvent pas les prouver par rapport à la Bible. Même si vous dites, Branham a dit, moi je vous dirai encore, Branham a dit, examinez, c'est le ministère expliqué. Paragraphe 12, examinons. Si ce n'est pas scripturaire, alors mettez cela de côté. Si jamais moi, Branham, j'apporte quelque chose devant vous, comme une doctrine ou un enseignement qui ne se trouve pas dans la Bible, frère Branham me dit, oubliez cela car ce n'est pas vrai. Mais il dit, si moi, Branham, voilà pourquoi nous ramenons même frère Branham dans la Bible. Parce que le frère Branham l'a recommandé. Frère Branham a recommandé. Et partout, il a dit, même en Marc de la Bête. Plus loin, alors qu'il parlait de la Bible, dans le paragraphe 113, il dit la même chose. Eh bien, vous voyez, on prend une théorie au lieu de prendre la Bible. Considérez donc l'écriture. Prenez votre concordance. Eh bien, j'ai sauté. Ne dites pas ça. Écoutez, ne dites pas ça. Quoi? Eh bien, frère Branham l'a dit. Donc, vous ne pouvez pas dire que frère Branham l'a dit et le prendre comme votre absolu. Vous êtes tombé. Frère Branham, ne le dites même pas. Le jour du jugement, frère Branham va se défendre avec ça. Ne dites pas ça. Eh bien, frère Branham l'a dit. Mais frère Branham vous dit quoi? Considérez l'écriture et prenez votre concordance et vérifiez-le. Et puis, vous voyez, prenez votre concordance et vérifiez ce que frère Branham a dit. Mais c'est comme ça que nous nous ramenons tout dans la Bible. Mais vous qui dites frère Branham l'a dit, ce n'est pas vrai. Mais peut-être que le Seigneur vous comble et qu'il vous bénisse richement. Nous allons prier pour pouvoir faire asseoir ces choses. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, nous avons parlé au mieux de notre connaissance, au mieux des dons que tu as mis en nous. Si ça peut aider quelqu'un, quelque part dans le monde, je le désire, je le souhaite. Seigneur, parce que je sais que le diable est en train de travailler avec ce que les gens appellent même le message aujourd'hui, pour emporter un plus grand nombre, encore dans les néo-dénominationnels, dans les néo-dénominations, ayant des brochures, mais sont tombés dans la dénomination, sans le savoir, et le peuple trompé. Souviens-toi, je te prie, de ton peuple qui se trouve encore dans ces histoires, car toi tu as dit, sautez du millier d'elle, mon peuple, parce que Babylone est tombée. Plusieurs églises qui étaient debout, pour avoir abandonné la pure parole de Dieu. Elles ont fait naufrage par rapport à la foi. Elles sont aussi tombées et elles ont rejoint Babylone dans ces histoires, afin qu'ils en sortent, Seigneur. Bénis ce bref message
que ça puisse édifier beaucoup de tous ceux qui peuvent entendre cela. Sois loué pour tout, Seigneur, sois glorifié. Merci pour avoir été avec nous, oh Dieu. Au nom de Jésus.